vrai, mais il y a surtout le lait. Je le cite pour faire vite. Mon métier à la télé, c'est d'aider Coca-Cola à vendre son produit. Or, pour qu'un message soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. Et rien n'est plus difficile que d'obtenir cette disponibilité-là. C'est là que se trouve le changement permanent. Waouh ! Quand on a dit ça, je crois qu'on a tout dit sur l'érection de l'homo écranticus. Qui dit mieux sur ce que c'est qu'un écran de fumée ? Qui ? On ne le sait que depuis peu, mais on nous lave le cerveau depuis si longtemps. Peut-être même avec de l'argent sale. La souillure ne date pas d'hier, elle est d'aujourd'hui. Promise pour demain, à travers toutes sortes d'écrans, votre portable, votre smartphone, votre tablette, on vous retiendra et on vous atteindra. Le flux est continu, l'affluence aussi, l'influence, surtout à travers ce que vous souhaitez, où vous le souhaitez et quand vous le souhaitez. Et c'est comme une drogue. C'est comme une drogue, mais en fait, c'est pas une drogue, parce que c'est bien pire que de la drogue. Parce que même les plus avertis en redemandent. Et il n'y a pas que le lait. Il y a aussi le faux qui passe pour plus vrai que le vrai. En ce moment, nous avons tous droit à ce message qu'Israël est menacé par ses voisins. Tiens, tiens, Israël menacé par ses voisins. Oh! Je réfléchis. Non, parce que permettez-moi d'en douter, de me poser la question de savoir où est le coca, où est le cola. Parce que l'info ne va pas de soi. La logique n'est pour ainsi dire pas respectée. Attendez, là, à qui va-t-on faire croire que celui qui a tout craint celui qui n'a rien ? Non, ça peut toucher que des cerveaux non disponibles, comme celui de nos gouvernants ou de nos gouvernantes, dont la somnolence me désespère. Bon, que faut-il jeter, que faut-il projeter à travers mes doléances ? Primo, que le marketing classique ne nous fera pas tous boire du Coca-Cola. Certains préféreront le lait ou l'alcool. Secondo, que le marketing politique fait beaucoup plus de victimes au mètre carré parce qu'ils ne cherchent pas des cerveaux disponibles, mais ceux qui n'ont pas de cerveau, mais en cherchent un pour devenir disponible. Et ce sont, hélas, les plus nombreux. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, wonder why. You had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sharp, but rich men can't imagine Paul. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. So one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.